à tous, je suis Aude, animatrice maraîchage sol vivant et aujourd'hui je vais vous présenter quelques témoignages de la formation qui s'appelle Réussir son installation en maraîchage sur sol vivant. Cette formation dure 9 mois, donc c'est une formation plutôt longue et elle est destinée à des porteurs de projets et des gens donc, qui ont un projet en maraîchage sur plus ou moins long terme. L'idée c'est, quand vous suivez cette formation, c'est que vous avanciez vraiment à votre rythme tout au long des 9 mois. Vous allez avoir des e-learning que vous allez pouvoir faire à n'importe quel moment de votre journée. Ensuite, vous aurez des visios qui seront programmés dès le début. Vous aurez le programme et les dates de ces visios avec des professionnels où vous pourrez poser toutes vos questions lors de ces visios concernant votre projet. Et vous avez aussi toute une partie visite de ferme, donc des parties terrain qui sont très appréciées en général par les stagiaires parce que c'est vraiment l'occasion pour eux de se rendre compte de ce que c'est que le maraîchage, de se projeter un petit peu plus et d'avoir beaucoup de réponses aussi à leurs questions. Et lors de ces visites terrain, on essaye aussi de pratiquer un petit peu vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce que sont les outils. Cette formation est adaptée à tout type de public, que vous soyez néo-ruraux ou alors actuellement installé en maraîchage plutôt classique et que vous souhaitez vous reconvertir vers du maraîchage sol vivant. La formation reprend toutes les bases de l'agroécologie pour vraiment que vous sachiez, vous connaissiez vraiment les bases. Et elle est complète parce que vous allez pouvoir voir tout de A à Z dans votre installation, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur les statuts, comment bien choisir son statut, comment implanter, penser sa pépinière, quel choix d'irrigation, quel choix de serre pour du maraîchage sol vivant, mais aussi quel type de paillage vous allez devoir ou pouvoir en tout cas choisir. Il va y avoir aussi toute une partie sur la gestion des ravageurs, sur les stratégies de commercialisation, sur les itinéraires techniques, la planification. Donc voilà, vous aurez vraiment une formation qui va reprendre vraiment tous les éléments du maraîchage. Donc si vous voulez intégrer cette formation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous allez avoir aussi le détail du programme. Comme ça, vous saurez si c'est quelque chose qui est envisageable pour vous au niveau timing, parce que souvent les porteurs de projets sont encore en activité. Et je vous laisse visionner les 3 témoignages de nos stagiaires de cette année, donc 2022-2023. La formation commencera en octobre et se finira en juin 2024. Bon, ce que j'ai adoré dans la formation MSV, c'est qu'on a tout regardé en fait, depuis le début, les vraies questions à se poser sur le choix du terrain, comment comprendre quelle est la nature du terrain, est-ce qu'il y a assez de matière organique, et moi j'en étais à ce stade-là, jusqu'à des bases d'agronomie, et puis après on a pu aussi réfléchir aux itinéraires techniques, au choix, au business model, parce que c'est important, donc ça permet de savoir dans quelles conditions on va se lancer. Et puis aussi, c'est la visite des fermes quand même, parce que ça permet de rencontrer des gens super, extrêmement généreux de leur partage, et puis de rentrer dans une belle communauté. Ce que j'ai aimé moi dans la formation MSV, c'est qu'elle est à la fois complète et accessible. On va partir des connaissances générales pour arriver à des connaissances plus techniques sur la production jusqu'à la vente. Et donc on a vraiment tout l'aperçu. Et moi qui ne suis pas du tout du milieu agricole, agronomique, etc., plutôt d'une formation ingénieur, j'ai quand même trouvé mon compte avec vraiment des données chiffrées, techniques, un raisonnement logique, des choses à la fois très précises et poussées et en même temps accessibles à un néophyte comme moi qui a pu comprendre vraiment le fonctionnement d'une exploitation maraîchère et comment la conduire. Je cherchais à mettre du sens dans mon projet et à comprendre ce que je faisais. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup au niveau de la découverte de l'agroécologie. Tous les éléments appris m'ont conforté dans le parcours et la philosophie de la micro-ferme que j'envisageais. Donc j'ai pu comprendre l'importance de travailler sur sol vivant, de conserver le vivant et puis vraiment l'importance de mettre un sens politique aussi à ce qu'on fait quand on fait du maraîchage, quand on fait pousser des légumes, parce qu'on est à un moment clé où
où il faut réfléchir à ses actes, penser voilà, son potager, même s'il n'est pas maraîcher, mais d'autosuffisance de façon intelligente et pour préserver la terre et l'avenir. Et je pense que cette formation, elle est hyper riche à ce niveau-là. Et voilà, je suis vraiment satisfaite, ça m'a plu. Et les visites de ferme viennent agrémenter toute la partie théorique. Donc, il y a, voilà, ça se complète.